une production du studio SF. Donc, un gros dodo, Echo et Helmut, vous tirez vos amis ou vous les transportez, dépendamment de votre force, vers cette grotte. Et la première chose que vous voyez, c'est un pêle-mêle des murs et du plafond, une tuyauterie de plomb, des engrenages, il y a un son qui est un vacarme qui est en train de s'actionner et un beau plancher de céramique polie blanc. Un peu détonnant des murs et du plafond, mais vous voyez comme un couloir infini qui semble très, très, très loin devant vous. Vous continuez? Marque Dieu! Est-ce que cet endroit te rappelle et te fait surgir des fichiers, des images? Dur à dire. Présentement, on dirait que je sors d'un certain fichier. Quand j'ai vu la bête se lancer sur nous, celui de Willem s'est activé tout seul et j'ai comme eu cette pulsion de sauter sur la chose. Oh, ma princesse. Ouais, est-ce qu'on peut essayer de les aider, avant de... Bien sûr. Okay. Je crois qu'ils ont besoin de soins. Oui. Narrateur, je sais que nous avions convenu que la pierre verte que Helmut avait été gardée pour apaiser ses douleurs chroniques. Cependant, me permettrais-tu de l'utiliser? Fais-moi un jeu d'intelligence, Helmut, s'il te plaît. Juste à côté du pauvre. Non, c'est pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui? Tu le sais que cette pierre ne pourrait pas être à pleine charge. Donc, pour l'instant, ces personnes sont inconscientes et il n'y a rien qu'on peut se faire. De mon côté, est-ce que je peux chercher dans les fichiers de Markov pour quelque chose pour le laboratoire? Fais-moi un jet d'intelligence, mon cher Echo. Ça fonctionne! N'a pas été construit dans ce laboratoire, ça tu le sais, parce que un fichier s'ouvre et une carte est devant toi et il y a plusieurs points qui s'affichent. Quand tu parles de laboratoire, il y a bien sûr celui qui est juste ici où que vous êtes, mais il y en a partout. Il y en a à Dunford. Il y en a à Caracas, il y en a à Farren, dans les trois capitales des trois États où vous vous situez. Mais il y en a aussi un peu plus éparses partout. Je trouve des laboratoires partout, mais ce laboratoire-ci ne dit rien qui ne m'est connu. Tu n'y as donc pas été conçu? Non. Nous aurions peut-être une chance de trouver quelques réserves avec des soins pour les prodiguer à nos amis. Nous pouvons espérer. Allez, allons de l'avant. Vous continuez. Et donc, vous arrivez plus loin. C'est des minutes et des minutes qui semblent des heures à marcher un long couloir qui semble vide et... deux intersections arrivent devant vous. Un couloir à droite et une porte à gauche. Toujours à droite. Le point... Un couloir à droite et une porte à gauche. Il y a encore le couloir qui semble infini, tout droit. Il y a un couloir à droite de vous et une porte à gauche. Le point semble pointer où dans ma tête? Il semble pointer... en avant à droite. Nord-est, mettons, qu'on ouais. est vers le nord. Ouais, si c'est le nord, oui. Le point semble m'indiquer plus loin, vers l'avant et la droite aussi. Donc si nous voulons poursuivre notre objectif, je crois que le mieux est d'aller vers l'avant. Mais nous devrions peut-être regarder chaque pièce que nous croisons, dans l'espoir d'y trouver les premiers soins. Je suis d'accord.
La priorité est de trouver des soins pour nos amis. Ouais. D'accord. Essayons cette porte. Subtilement. Subtilement. Parfait. Faites-moi... Ben, Elma, fais-moi un jet de physique, s'il te plaît. Ça fonctionne pas. Fonctionne pas. Tu essaies d'être discret. Et la porte... Et... Il y a une petite pièce devant toi qui semble vraiment peu allumée. Seulement une petite ampoule qui semble être sur un bureau. Et il y a une personne qui te regarde tout de suite quand tu ouvres la porte. Ah. Oui? Qui est-ce? Bonjour, je suis Echo Mark II. Nous cherchons des soins. Oui, Elmott? Ah? Elmott, tu reconnais là? Elsbeth. Oh! Bloom! Oui? Elsbeth, que fais-tu là? Que fais-tu là? Echo, toi, tu vois cette dwarve des grosses tresses qui tournent sur elle-même, avec des grandes rides qui semblent montrer l'âge et le travail qu'elle a. Et c'est une dame qui semble avoir eu beaucoup de travail sous ses épaules. Mais... Bloom, que fais-tu à Berlay? La dernière fois que je t'ai vu, tu étais à Wood. Nous étions vus à Dunford. Oh, c'est... Es-tu avec eux, Bloom? Es-tu avec avec cet homme en blanc, avec... Fais-tu partie de cette conspiration? Mais... Elmott, tu n'en fais pas partie? Et bien sûr que non, Vous avez de jolis yeux, j'essaie de la séduire. Fais-moi un jeu de social. Ça fonctionne presque! Mais ça fonctionne pas. Que veux-tu dire? Bien sûr que non, j'ai travaillé pour l'armée depuis si longtemps. Oui, à développer des armes. Oui, mais pas ce genre d'armes, pas ce genre de technologie. Je n'ai jamais... Elsbeth, que fais-tu ici? Je suis désolé, mais là, je monte le corps ensanglanté de nos amis. Serait-il possible d'avoir des soins? Oui, bien sûr. Oui, je peux vous installer ici. Bienvenue. Merci. Nous avons rencontré un tyrannosaure. D'accord. Poulon, il va juste fermer la porte. Oui, prenons soin de nos amis en premier, puis nous parlerons. Elsbeth se tâche, elle ouvre des tiroirs, elle prend trois pierres. Pierres vertes. Voilà. Merci. Il va en prendre une, puis va s'attarder sur Adèle, sur sa princesse. Mm-hmm. Donc, se pencher dessus et va juste la prendre. Il va juste s'agenouiller, la prendre et mettre sa tête sur... Prendre! Et il va juste passer la pierre du haut de son corps. Il va juste le passer comme s'il était... Il scannait son chakra aussi. Mm-hmm. Donc, Adèle, tu te réveilles, mais avant ça. Adèle, après l'écrasement du T-Rex, tu rouvres les yeux et tu es à Marvis. Ou plutôt, la gare de Dante en ruine. Il y a autour de toi la statue détruite, mais personne d'autre. Et d'un coup, tu vois Akio descendre ici.
ensanglanté. Oh. Je vais me lever. Je te lève. Je vais me brocher de lui, mais quand même avec une certaine réticence. Adèle se demande si elle est morte. Ace? Adèle? Adèle, il court vers toi. Qu'est-ce qui se passe? T'as mal? Est-ce que moi j'ai mal? Non, t'as pas mal. Ok. Je vais m'approcher de lui. Il tombe à genoux. Attends, je vais t'aider. Tu le relèves? Ouais. Adèle? Oui, je suis là. Je suis là, n'aie pas peur. Elle croit pas. Quoi qui? Elle croit pas. S'il te plaît. De qui tu parles? Je... Elle m'a... Quoi? Elle croit pas, Adèle. Ton oncle? Adèle, je... Ah! Ah! Tu vois, elle m'a... Non, mais... Elle m'a... Pourquoi t'as fait ça? Je... Tonton! Il dit rien. Il fait juste se retourner. Il part. Je vais courir après. Tu cours après? Tu cours. La lumière est éblouissante. Ah! Et tu te réveilles. Je me réveille... Réanimé par Elmotte. Ma princesse! Princesse, j'ai cru te perdre! Il prend son visage entre ses mains. Oh, est-ce que ça va? Est-ce que ça va? On est où? Oh, qu'est-ce qui se passe? Nous avons... Elle va bien? Oui, nous avons entré dans le réseau de cavernes. Nous sommes dans... je vous présente Elsbeth Bloom, une collègue roboticienne. C'est elle qui m'a aidé à concevoir mes jambes biorobotiques. Adèle va comme se lever vite, se défaire de ton étreinte, reprendre sa posture là, comme guerrière. Faire, dès qu'elle a retrouvé les forces, elle se remet droite, comme si c'était rien passé. Écho, tu veux... Pendant ce temps-là, oui. Pendant ce temps-là, tu apposes la pierre sur Terry. Terry, tu te réveilles. Tu as eu un énorme cauchemar. Il y avait un T-Rex qui essayait de te manger. C'était horrible. Ouais. Bonjour. Est-ce que... Oh, j'ai dû faire un mauvais rêve. J'ai rêvé qu'on était face à un énorme T-Rex. Et non, c'est arrivé, ça, le stagiaire. Ça, est-ce que ça veut dire... Non, ça va. On est... On a eu de la chance. Oui, ça est sauf, petit. Je regarde mes mains. Oui. Est-ce que je vois là-dedans? Tu ne vois pas là-dedans. Oh, merde! Je voulais un beau souvenir. Non. Oh, c'était bien. Très stupide de ta part de jeter ta main comme ça dans la gueule du tyrannosaure! Mais oui. Attendez. Cher Middleton, je vais étendre ma main, puis Phoenix va me donner l'œil du T-Rex. Voici un souvenir. Oh, c'est magnifique! C'est énorme, là! Ouais. C'est énorme, j'imagine? Oh oui, comme un Elmot. Wow! Je suis pas sûr de pouvoir le transporter. Je vais le laisser sur place. La loi de la physique est fuckée, mais oui. Merci, Echo. Elspeth. Alors, maintenant, il est l'heure des questions et surtout des réponses. Que faites-vous ici avec cet homme en blanc, Donovan? Quel est ce type de technologie que vous développez exactement? Eh bien, nous développons beaucoup de choses, notamment des... ici, nous sommes dans un labo, comment on pourrait dire, médical. Ça tombe bien. Et moi, pour l'instant, je suis en train de regarder
Qu'est-ce que ce dispositif? Adèle va prendre son... Genre, va essayer de le dérober, là, par plus loin. Fais-moi un jet de physique. Tu vas sortir ton Winchester? Non. Ah, OK. Non, dans ma tête, j'avais un autre gun, okay, mais non, parfait. Je vais... Avec sa main. Non, mais genre, sur le coup, elle est comme genre... Ouais, ouais, ouais. Elle est comme, donne-moi ça. Non, j'échoue, bien sûr. Tu échoues? Princesse, ça va, c'est juste une amie. C'est à nous, cet objet. Oui, Elisabeth. Comment vous avez eu ce truc? Eh bien, je... Qui vous a donné ça? C'est comme... de Leval? Non, c'est mon supérieur. Il m'a demandé de regarder, de l'analyser. J'aimerais ça savoir, c'est... Excuse-moi. Oui, bien sûr, vas-y. J'aimerais ça savoir, c'est le même codex que celui-là. C'est le même? Fais-moi un jet d'intelligence. Come on, vas-y. Là. Oui, je l'ai. C'est le même codex. Oh! C'est qui est votre supérieur? Oui, pour qui travailles-tu, Elisabeth? Je suis désolé, je... Cet objet nous appartient. Il nous a été envoyé personnellement. On se l'est fait dérober par probablement votre supérieur, Donovan. Répondez! Elisabeth, ce Donovan n'est pas digne de confiance. Il a avoué avoir assassiné Akio, mon neveu. Il a aussi assassiné Willem, notre collègue. La personne pour qui tu travailles, Elisabeth, n'est pas une bonne personne. C'est une personne qui tue. T'en rends-tu compte, Bloom? Tu travailles pour des assassins, des meurtriers, des terroristes. Nous avions juré pour travailler pour la justice. Fais-moi un jet social avec... tu peux... moins 2 au degré de difficulté. Wow! Vu que tu connais Elisabeth. C'est Elisabeth? Elisabeth. Elisabeth. Comme Elisabeth, mais elle t'enlève le... Elisabeth Bloom. Attends, tu dis moins 2? Moins 2. Oui. Fuck. J'ai réussi. Hey, j'ai réussi. Tu réussis. Vraiment de... Oh! Je suis désolé. Puis elle le donne à elle. Oh. Adèle va le prendre. Ben, si elle le veut. Tu me le donnes-tu? Oui, je te fais confiance. Merci. Elisabeth, c'est ça votre nom? Oui. Terry, enchanté. Est-ce que vous avez découvert quelque chose sur ce bidule? Oui, as-tu trouvé des pistes? Pas grand-chose. Non, il y a une décharge électrique. Il peut être causé, mais il faut vraiment savoir le mot de passe. Qu'est-ce que vous avez essayé comme mot de passe? Nous avons essayé plusieurs combinaisons. Koichu? Oui, notamment, mais... Pouvez-vous nous les énumérer? Ça passerait... On passerait la soirée à faire ça. Mais écoutez, le laboratoire où nous sommes, je suis désolé pour toi, Helmut, pour ton neveu et ton ami. Oui. Ce laboratoire est un laboratoire pour les maladies. Il permet de découvrir comment soigner les maladies, mais pour ça, il nous faut des sujets humains. Et donc, nous devons capturer des gens et... Capturer? Mais Helmut, c'est pour le bien de l'univers. Oui, mais à quel prix, Bloom? À quel prix? Les gens qui ont disparu, c'est eux? Peut-être. Et les marchandises? Est-ce que vous faites des expériences sur des marchandises? Les marchandises? Voleurs de marchandises? Je ne sais pas pour les marchandises, mais... Quel genre de test, Bloom? Quel genre de test? Pour quelle maladie? Nous avons essayé plusieurs... nous avons essayé la dysenterie, nous avons essayé la peste... Oui, mon père est décédé de la dysenterie, c'est horrible. Oui. Du sang de partout, c'est... Oui, mais nous faisons ça pour sauver des vies. Il faut penser... Imagine, Helmut, imagine tes petits-enfants qui peuvent vivre mieux grâce à ça. Oui, il y a des morts
Mais il y en aura toujours. Et où se trouve le laboratoire où vous créez les robots? Ce laboratoire n'est pas ici. Ici, c'est un laboratoire qui utilise vraiment seulement la maladie. Le laboratoire de robots, il se passe à Dunfold. J'ai une géolocalisation qui m'indique quelque part dans ce laboratoire, là où nous devons nous rendre. L'homme. Oui. Qui est Donovan? C'est un homme qui travaille pour notre organisation, les vigilistes. Les vigilistes. Oui, il est un employé comme moi. Un simple employé? Oui. Et ce dinosaure, c'est un vigiliste? Il était très gros. Il y a certaines expériences que nous faisons et peut-être que la forme de ce dinosaure a été engendrée par quelque chose que nous avons fait, mais je ne suis pas de ce département. Bloom. Oui. Qui est à la tête de cette organisation des... Les vigilistes. Oui. Qui est votre dirigeant? Qui est votre employeur? Je l'ignore. Vous l'ignorez? Oui. Comment est-ce possible? Disons que Donovan aide beaucoup à la gestion de ce laboratoire. Donc, en quelque sorte, oui, il est mon supérieur, mais il y a des gens plus hauts. Mais les gens plus hauts, je ne sais pas qui ils sont, mais ils financent nos recherches. Et grâce à ça... Ce sont des gens riches. Les étendants. Je ne sais pas. Peut-être. Qui sont à la recherche de la même chose que nous. C'est vraiment bizarre tout ça. Oui, très étrange. Bloom, présentement, sur quoi travaillez-vous? Avez-vous un projet, présentement, qui se trouve au centre de vos recherches, dans cette station, précisément? Oui, Donovan est vraiment se concentre sur un projet. Il y avait Nicolas et Markov qui travaillaient avec nous. Oui, Markov. Il a disparu, mais il était le scientifique en chef de ce projet. Quel était ce projet? Le projet A. Bloom, s'il te plaît. Je ne sais pas trop. Je sais qu'on a besoin de corps, de humains vivants, ou dwarves, ou gobelins, ou orques, mais nous avons besoin de corps vivants. Dwarves, Bloom, c'est notre peuple! Et alors? Et alors, Bloom, le progrès, mais à quel prix? Nous allons progresser tout de même! Si nous tuons ces gens maintenant, nous pourrons sauver des milliers plus tard. Il y a toujours possible, toujours possibilité de trouver des solutions sans... en épargnant le sang, Bloom! Mais c'est de la pure folie! Emma, calmez-vous. Ce n'est pas sa faute à elle. Ce n'est qu'un pion. Vous comprenez? Je... Tu ne fais que ton devoir, c'est ça? Aidez-nous un peu. C'est bien ce que nous disons. Vous aviez ce codex entre les mains. Vous cherchez des réponses. On est à la recherche de la même chose. S'il vous plaît. Je vous en prie. Aidez-nous. Aidez-nous. Ou dites-nous où est Donovan au moins. Vous devez savoir. Il doit être au laboratoire principal, mais... À Dunford? Non, le laboratoire ici, principal. Ok. Mais... Êtes-vous sûr que vous voulez y aller maintenant? Vous pourriez vous reposer dans mon bureau. Je peux fermer la porte à clé. C'est une bonne idée, oui. Oui. D'ailleurs, je dois rappeler, Donovan, il nous a contactés par la radio. Ouais. Est-ce qu'il sait où est-ce que nous nous trouvons? Est-ce qu'il a un moyen de nous localiser ou... C'est vrai qu'il semblait savoir qu'on était dans le labo. C'est un peu si étrange. Si je peux les localiser,
Peut-être peuvent-ils me localiser également. Il y a de fortes chances que je sois une balise. Oui. Et qu'on marque deux? Oui. Serais-tu si aimable de quitter la chambre, s'il te plaît? Avec plaisir. Je vais demander à Paz de t'accompagner. Paz, pour quelle raison? Eh bien, si véritablement ils sont capables de nous localiser par la présence de Echo, eh bien, si jamais il arrive en notre direction, eh bien, Echo, nous te faisons confiance, s'il te plaît, brouille la piste pour nous. Avec plaisir. Je suis heureux de vous servir. Et je vais sortir. Parfait. Fais-nous signe si jamais tu vois et entends quelque chose. Oui, je vous laisse l'oiseau. Bon, très bien. Ce n'est qu'un simple bureau, mais vous pouvez vous y installer et panser vos blessures. Oui. C'est gentil, merci. Prenez le temps qu'il vous faut. Je ne peux rien d'autre faire. C'est déjà beaucoup. Merci. Je vais venir. Nous allons commencer. Nous allons cogiter ensemble, Elspeth. Nous allons trouver la réponse pour ce codex. Mot de coïncidence, tout de même, qu'on croise ton ami. Oui, ici, dans le labo de nos ennemis. Oui, j'ai peine à y croire. C'est un peu décevant, je l'admets. Je ne croyais pas que Elspeth pourrait travailler pour de telles gens, mais. Bon, profitons-en. Nous avons un allié ici, au moins. Oui, merci. Et donc, vous voulez vous reposer? Est-ce que Echo, tu voulais faire quelque chose avant? Oui. Bonjour, Paz. Bonjour, Echo. Nous serons ensemble pour un petit moment, le temps que les autres se reposent. Nous ne voulons pas être un danger pour eux. Ensemble. Leur vie est importante. Importante. Je ne suis qu'un tas de ferraille. Ferraille. Fait pour servir les autres. Service. C'est drôle. Yeah. Tu vois, j'utilise des mots que je ne comprends même pas. Je ne peux moi-même pas profiter de cette blague. Mais je suis heureux qu'elle te semble aussi bonne. Bien, Paz. Je vais essayer de me promener juste un petit peu. Je vais aller dans... continuer dans le couloir vers là-bas. Et en même temps, chercher pour le projet A dans ma tête. Parfait. Tu voulais aller au nord? Ou... Parce que là, tu ouvres la porte, il y a quelque chose devant toi, mais... Le couloir infini était rendu à ta gauche. Ouais, je vais pas aller dans le couloir infini. Juste aller voir dans l'autre. Je vais aller par là. Parfait. Ouais. Tu continues discrètement, je suppose? Oui. Fais-moi un jeu de physique, s'il te plaît. Oh. Ça fonctionne. Fais-moi un jeu de physique, s'il te plaît. Paz. Oh. Oui, bien sûr. Delroy. Je pense qu'on est bon un peu, excuse-moi. Non. Non, ça fonctionne. Parfait. Non, excuse-moi. Oui, ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Parfait. Donc, vous allez discrètement vers ce couloir qui s'est présenté devant vous. Encore là, le couloir reste similaire. Une tuyauterie de plomb, des engrenages, un vacarme. On sent que d'être discret est quand même facile vu que c'est un vacarme. Vous continuez et devant vous, le couloir continue, mais à droite, vous voyez qu'il y a trois passages vers la droite. OK. Donc, ultimement, on arrive une petite pièce, il y a trois passages différents vers la droite. Vers la droite. Okay. Qui sont quand même proches les uns des autres. C'est juste une petite pièce, mais rien de... C'est comme une transitoire. Tu veux aller... tu veux regarder le premier à droite? La première... Oui. On est rentré à droite. Tu regardes et c'est une petite pièce. Et il y a plusieurs boutons. Des manivelles. Pas grand-chose d'autre. Et dans l'autre pièce? Tu t'en vas un peu plus loin. Tu remarques que il y a une porte enfoncée qui bloque cet accès, mais qu'il y a une fenêtre.
Fenêtre. Tu regardes la fenêtre. La fenêtre, ça semble être une pièce assez sobre. De la pierre lisse, vraiment un cube. Il y a deux chaises à poser, ensanglantées. Mais il n'y a personne. Danger! Tu as raison. Danger! Et dans la dernière? Et dans la dernière, tu arrives et tu vois deux hommes en train de discuter, un orque et un humain qui sont en train de discuter et ils font c'était du gâchis. On va recommencer la semaine prochaine, je crois. Il faut retrouver ce qu'on avait pris, mais ouais, ça va se faire, je pense. Et sinon, et là, ils parlent de leur journée. Mais c'est l'information que tu as le plus d'important. Je vais me retirer tout de suite et retourner en direction du bureau d'Esther. Il doit être prudent, Paz. Nous ne sommes pas seuls. C'est un bon signe. Donc moi, pour passer mon repos, je vais le faire plus comme à l'extérieur du labo, de l'entrée. Mm-hmm. Puis un coup que j'arrive, que je pense être bien seul, me choir et me mettre à chercher pour le projet A. Projet A, parfait. Fais-moi un jet d'intelligence, s'il te plaît. Fonctionne! Yes! Fonctionne, parfait. Tu sais que, dans le fond, tu as les informations de base. Tu sais que le projet A est dans le laboratoire de Vabel, qui est plus loin. Il n'est pas à Vabel, mais mm-hmm. Il se situe proche de Vabel. Tu sais que Donovan et Nikolai Markov étaient les deux mis sous la tutelle de ce projet. Dans tes fichiers, tu sais qu'il y avait Donovan Prescott, tu sais son nom de famille, et Sophia Prescott, qui travaille également sur le projet. Et les informations que tu découvres, vu que tu as la mémoire de Markov, tu sais que c'est des mutations génétiques qu'ils essaient d'effectuer sur le corps humain pour essayer de, organiquement, sans l'aide d'un robot ou d'un côté cyborg, mais vraiment juste organiquement, de pouvoir rendre le corps plus puissant, plus agile, plus tout. Et tu sais qu'il y a un sujet test qui a échoué. Sophia Prescott, qui s'est elle-même donnée en sujet. Et il y a un autre... sujet, ensuite, après Sophia, qui est la petite fille de Markov. Oh. Ça va être mon repos. Ça va être ton repos. Merci. Attends. Ouais. Donc, tu sens que dans tes... en sachant ces informations-là, ton objectif se met à jour. Et tu peux voir le point qui s'ajoute. Petite fille. Plouf! Qui se rajoute. À côté du point? À côté du point. Tu sais que l'information, que ton objectif, c'est la petite fille. Wow.